Elle avait traversé tant de décors, des apparences, une vie de nuit et de recommencement. Elle savait tout des réinventions. Elle connaissait les coulisses de tant de théâtres, leur odeur boisée, ces couloirs tortueux où les danseuses se bousculaient, les murs roses et râpés de loges sans fenêtres, aux lino ternis, ces miroirs encadrés d'ampoules, les coiffeuses sur lesquelles une habilleuse disposait son costume, épinglée d'une note de papier, Cléo. Un string crème, une paire de collants chair à enfiler sous les résilles, un soutien-gorge semé de perles et de sequins, les gants ivoires jusqu'aux coudes et les sandales à talons renforcées d'un élastique corail sur le coup de pied. Cléo arrivait avant les autres. Elle aimait ce temps-là où personne ne s'affairait encore autour d'elle. Ce silence plat, à peine troublé, des voix des techniciens qui vérifiaient la bonne marche des éclairages sur scène. Elle ôtait ses vêtements de ville, enfilait un pantalon de survêtement, puis, torse nu, assise face au miroir, elle entamait ce processus qui la verrait disparaître. Une demi-heure pour s'effacer. Elle versait le fond de teint porcelaine 01 au creux de sa paume, en imprégnait l'éponge en latex, le beige annulait le rose de ses lèvres, le mauve tremblant des paupières, les taches de rousseur sur le haut de ses joues, les vénules des poignets. La cicatrice de son opération, de l'appendicite, la tache de naissance sur sa cuisse, un grain de beauté sur le sein gauche. Il fallait demander de l'aide à une autre danseuse pour le dos et les fesses. Le maquilleur-coiffeur passait à 18 heures, la taille sainte d'une pochette débordant de pinceaux. Il repoudrait le front de l'une, appliquait de l'anticerne sur le bouton d'une autre, retraçant le tremblé d'un trait d'eyeliner. Son souffle, mentholé, tranquille, caressait les joues. Le son caoutchouteux de la gomme qu'il mâchait en permanence tenait lieu de berceuse. Les filles somnolaient dans une brume de lac. À 19h, le visage de nuit de Cléo était celui de toutes les autres danseuses, une anonyme aux fossiles fournis par la maison, aux joues rosies de fuchsia, aux yeux sauvagement agrandis de noir, des nacres sur les pommettes jusqu'à l'arcade sourcilière. Cléo s'était tenue derrière des dizaines de rideaux d'un velours pourpre, des tentures, des pendrillons. Elle avait effectué ce même rituel des centaines de fois, ces vérifications aux allures d'incantation. Secouer la tête de droite à gauche pour vérifier l'attache des cheveux, effectuer de petits sauts sur place pour ne pas laisser les muscles des cuisses se refroidir en attendant le signal du régisseur. 4, 3, 2, 1. Les habilleuses agrafait, reprenait, sécurisait une dernière fois la rituelle coiffe ornée de plumes, cette trompeuse couronne de douceur dont les armatures enserraient les omoplates, un sac à dos de fer. Cléo et les autres aimaient les deviner derrière le rideau. Elles interprétaient le moindre éternuement ou raclement de gorge des spectateurs. Tiens, ils étaient nerveux ce soir. À peine descendus du car, il venait de Dijon, de Rodez, de l'aéroport. Il prenait place dans un brouhaha de collégiens, éblouis de reflets. Ceux des verres de cristal disposés sur leur table, du cuivre, des seaux à champagne. Il s'émerveillait de la rose blanche dans la transparence d'un vase, de l'empressement des serveurs, des banquettes rouges, des nappes blanches, d'une marbre veiné du grand escalier. Les hommes lissaient leurs pantalons froissés par le voyage. Les femmes étaient passées chez le coiffeur pour l'occasion. Les billets rangés dans le portefeuille étaient un cadeau d'anniversaire, un cadeau de mariage, acheté de longue date, une somme qu'on ne dépenserait qu'une fois dans sa vie. L'obscurité se faisait dans la salle. Il l'accueillait avec des chuchotements ravis. Elle dissoudrait soucis, dettes et solitude.
Chaque soir, lorsque Cléo entrait sur scène, la chaleur poussiéreuse des projecteurs la surprenait jusqu'au creux des reins. Les danseuses surgissaient, parcourues d'un fil de grâce et de cambrure. Elles redéfinissaient l'horizon, une ligne endiamantée de sourires identiques, laqués, un ensemble de jambes ordonnées, une exubérance froufroutante et pailletée. À la sortie du théâtre, les spectateurs les croisaient sans les reconnaître, des jeunes filles palottes, fatiguées, aux cheveux ternis de lac. Cléo avait lu ceci. La fascination des bébés pour le miroitement d'une assiette de porcelaine venait de notre peur ancestrale de mourir de soif. Cléo avait lu ceci. L'invention de la paillette était accidentelle. Elle était le fait d'Henri Rochman, employé d'une entreprise qui, dans le New Jersey, se débarrassait des déchets de plastique en les broyant. Combien d'années passées à endurer le fracas des machines jusqu'à ce jour de 1934, où, alors qu'il s'apprêtait à quitter l'atelier, Rochman avait aperçu dans la cuve, parmi les débris, un minuscule cabochon au reflet turquoise. Faiblement éclairé par la lumière du jour qui tombait, l'argent et l'or saupoudraient la broyeuse des micas ardents. Les résidus renvoyaient la lumière. Les paillettes naissaient de ce qu'on tenait pour négligeable. Elles avaient la beauté de l'incertitude. On opposait parfois à Cléo que tout ceci était de la pacotille, à l'image de ces colliers de strass reposant sur son plexus, les verroteries rubis qui saignaient sa taille. Tout était faux. Tout. Là résidait la beauté troublante de ce monde, rétorquait-elle. Les filles, elles faisaient semblant d'être nues, elles surjouaient leur joie 90 minutes durant. Ça, c'est Paris. Elles venaient d'Ukraine, d'Espagne, de Clermont-Ferrand. La sueur ternissait le satin de leur bustier. Les traces jaunâtres persistaient en dépit des nettoyages. Les strings étaient pulvérisés de spray antibactérien. Les résilles s'incrustaient dans le tendre des cuisses. Elles laissaient des ratures quadrillées, mais de loin, on n'en percevait rien. Un éclairagiste avait appris à Cléo que la plus modeste des pannes de velours chatoyait sous les projecteurs. Et à l'inverse, ceci affadissait les reflets des soirées authentiques. La lumière escamotait les accros, les faux plis, les traces de cellulite, les cicatrices. Elle atténuait les rides et le roux criard d'une coloration bon marché. Les bustiers en tissu à paillettes laissaient des plaques vermillons sur les flancs de Cléo, des estafilades bordeaux sous ses aisselles, des débris de plastique que la sueur aiguisait, mais de loin, on n'en percevait rien. Danser, c'était apprendre à dissocier. Pieds, poignets, poignets, rubans. Puissance et longueur. Sourire en dépit d'une douleur persistante. Sourire en dépit de la nausée, un effet secondaire des anti-inflammatoires. À 12 ans, 5 mois et 1 semaine, les parents de Cléo lui avaient proposé de prendre des cours de danse, préoccupés de l'avoir traînée devant la télé le mercredi et le samedi après-midi. Le cours privé de Madame Nicole regorgeait d'élèves du collège privé de la Providence, des Domitilles, Béatrice et Virginie. Béatrice et Eugénie. Dans les vestiaires, Cléo les entendait évoquer un week-end en Normandie, des vacances aux Baléares, un séjour linguistique aux États-Unis, la voiture de maman et puis celle de papa, la femme de ménage, la nounou, l'abonnement à la Comédie Française et au Théâtre des Champs-Élysées. Cléo taisait prudemment son adresse, le Fontenay des grands ensembles et la Ford Escort de ses parents, tout comme le métier de sa mère, vendeuse dans une boutique de vêtements pour femmes fortes. Les mères des Domitilles assistaient régulièrement aux cours,
Assise sur les chaises en bois, disposées au fond de la salle, elle croisait les chevilles, mais pas les genoux. Toute l'année, Cléo s'était appliquée à parler le langage de la danse classique, comme on s'essaye à prendre l'accent d'une langue étrangère sans jamais l'avoir en bouche. Elle avait tenté d'acquérir la préciosité, le regard altier de celle que Madame Nicole leur citait en exemple pour leur classe. Duchesse, princesse, sans succès. À la fin de l'année, Madame Nicole lui avait suggéré de faire autre chose, de la gymnastique peut-être. Elle ne manquait pas d'énergie, mais de grâce en revanche. Cléo s'en était retournée à la morosité des samedis devant la télé. Et c'est là qu'elle les avait vus pour la première fois. Étincelants, ces danseurs ondulaient comme des rivières rapides. Ils annonçaient le générique de l'émission favorite de sa mère. Champs-Élysées. Avant que Michel Drucker ne les congédie, on applaudit bien fort les danseuses qui vont maintenant quitter le plateau. Cléo s'approchait du petit écran afin de déchiffrer leurs pirouettes, ces refrains de joie qu'il concluait d'un bond, très loin de l'affectation des domitilles chez Madame Nicole. Voilà ce qu'elle voulait faire. Dès le premier cours de Modern Jazz à la MJC de Fontenay, Stan l'avait secouée, prise à bras le corps, transportée. Il parlait hanche, bassin, bas-ventre, plexus, puissance. Elle s'appelait Catherine, mais elle préférait qu'on l'appelle Cathy. Elle avait assisté au cours de Stan depuis le hall, comme ses mères qui venaient chercher leur fille, mais Cathy ne venait pas chercher sa fille. Elle s'était avancée vers Cléo, qui se dirigeait vers les vestiaires, échevelée et transpirante. Bonjour, aurait-elle quelques instants à lui accorder ? Personne n'avait jamais demandé à Cléo si elle disposait de quelques instants à accorder. Son jean clair, droit, sur des bottes camel, camel également le manteau long, un camailleux pêche, décliné des lèvres jusqu'aux pommettes, de larges anneaux d'argent aux oreilles, et un sourire d'hôtesse de l'air. Son prénom était Cléo. Avait-elle vu le film ? Cléo de 5 à 7 ? Ah, mais il fallait absolument le voir. Cathy représentait une fondation. Cléo avait-elle une idée de ce que cela signifiait ? Eh bien, la Fondation Galatée soutenait les adolescentes qui présentaient des capacités, des projets exceptionnels. Cléo, consciente de sa frange terne de transpiration, de ses joues enflammées, dansait d'un pied sur l'autre. Quelle chance d'avoir des cheveux si longs, Cathy désignait sa queue de cheval. Elle ne parvenait jamais à attendre que les siens poussent. Elle n'avait aucune patience. Bref, la fondation accordait des bourses d'études dans tous les domaines. Stan avait refermé la porte de la salle de danse. Good work, Cléo. Mais il avait raison. Cathy avait tout de suite repéré Cléo au milieu des autres et son job, c'était ça. Faire preuve de flair. Plus belle qu'une mère, plus fascinante qu'une copine, Cathy chantonnait un refrain que les adultes n'entendaient pas. Elle parlait couramment une langue adolescente semée de mots magiques. Futur, futur, repéré, repéré, exceptionnel. La jolie Anne Keller, qui donnait la réplique à Sophie Marceau dans La Boom 2, c'était Cathy qui l'avait repérée dans un cours de danse, lui avait fait passer un test, la fondation avait fait le reste. Bingo. Véronica, en couverture du nouveau 20 ans, c'était Cathy qui l'avait présentée à David Hamilton et elle était loin d'avoir le charisme de Cléo. Cléo avait haussé les épaules, dépitée. Elle ne voulait devenir ni mannequin, ni actrice. Mais bien entendu, Cathy évoquait ces deux-là, mais elle pouvait citer des danseuses, des sportifs, des futurs stylistes aussi. Du moment qu'on visait l'excellence,
Cléo n'allait pas rester des années dans cette MJC. Il fallait faire montre d'ambition quand on en avait les capacités. Et si Cléo était intéressée, Cathy pourrait revenir lui en parler. Rendez-vous samedi ? Ici ? Repérage. Repérer. Verbe transitif. Apercevoir, distinguer, remarquer parmi d'autres quelqu'un ou quelque chose. Tout était en place pour le reste de l'histoire. Le futur ressemblait à une ivresse. Quelque part existe une photo d'une Cléo de 13 ans, candidate Galatée, archivée pour l'éternité. L'ordre exact dans lequel les événements se sont déroulés, les années l'ont dissous. Le passé est un paysage au flou de crachy, dont la cartographie repose entre les pages d'un cahier à la couverture bleue, rangée sous le lit conjugal avec de vieux numéros de L. Cette histoire est une écharde sur laquelle la chair de Cléo s'est recomposée à force d'années, un petit coussin de vie rosée, solide, élastique, un petit coussin. Ce corps étranger n'en est plus un, il lui appartient, solidement maintenu dans un faisceau de fibres musculaires, à peine effrité par le temps. Cette histoire est une écharde. Les lueurs immobiles d'un jour qui s'achève, la plainte douloureuse d'un chien qui aboie, le silence inquiétant qui précède les rêves. Quand le monde disparu en est face à soi, les frissons, l'amour et l'automne s'en mêlent. Le noir où s'engloutissent notre foi, nos lois, cette inquiétude sourde qui coule en nos veines, nous saisit même après les plus grandes joies. Ces visages oubliés qui reviennent à la charge, ces étreintes qu'en rêve on peut vivre sans foi, ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines, ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard, ces paroles enfermées que l'on n'a pas pu dire, ces regards insistants que l'on n'a pas compris, ces appels évidents, ces lueurs tardives, ces morsures au regret qui se livrent à la nuit, ces solitudes dignes au milieu des silences, ces larmes si paisibles qui coulent inexpliquées, ces ambitions passées mais auxquelles on repense, comme un vieux coffre plein de vieux jouets cassés, ces liens que l'on sécrète qui joignent les êtres, ces désirs s'évader qui nous feront aimer, ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines, ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard. Lara, c'est une chose curieuse que de rouvrir une boîte à souvenirs. On a le geste sûr, on ne doute pas que le passé aura la mine touchante d'une vieillerie démodée. Mais les regrets se révèlent intacts, tranchants. Aujourd'hui encore, Lara n'évoque que rarement Cléo parce qu'elle ne parvient pas à ôter ses aspérités à ce souvenir pour le transformer en douceur mélancolique. Cléo reste fichée dans le temps,
un miroir tendu à ses manquements, mais quoi, Lara avait 20 ans, tout juste, à l'époque. 20 ans, à l'automne 98, une étudiante en deuxième année de sociologie. Elle cherchait une colocataire. Tout se déroula très simplement. Lara appela la fille. Celle-ci vint dès le lendemain, munie d'une chemise dans laquelle elle avait rangé ses feuilles de paye. Lara refusa de les parcourir, embarrassée d'être mise dans la position de jauger de la fiabilité financière d'une fille de son âge. En gage de sérieux, la jeune danseuse énuméra les émissions auxquelles elle participait, son CV. Alors, Drucker, Sabatier, Lara l'interrompit. Hilar, elle n'était pas très variée de paillettes, mais bien sûr, on ne pouvait pas toujours choisir son job. Cléo, c'était le diminutif de Cléopâtre ou un hommage au film de Varda? Sa nouvelle colocataire bredouilla qu'elle ne connaissait pas le film. Lara se targuait d'être dotée d'un don d'anticipation, mais lorsqu'elle fit la connaissance de Cléo, Lara ne pressentit rien. Rien de ce qui, 3 mois plus tard, ressemblerait à une évidence. Des semaines durant, Lara s'agaça d'une colocataire malaisée à cerner, puis, sans étape ni avancée, soudain, rien ne fut pareil. Lara avait envie de parler de Cléo à tous, mais pas en s'en plaignant à sa façon habituelle. Elle avait envie de raconter Cléo, d'emporter le drapeau. Ces danseurs-là qui travaillaient pour des émissions de variété, c'était des ouvriers de l'art, sans gloire, expliquait-elle à son entourage. Les spectateurs ne s'attardaient jamais sur eux. Personne n'écrirait d'articles élogieux sur Cléo. Et le plus beau, s'emballait Lara devant ses amis quelque peu déconcertés, c'était que Cléo s'en fichait. Alors que tous, dans la compagnie de Balco, était formidable. Finalement, lui fit remarquer une amie, Lara était très variée de paillettes. À quel moment les lettres du prénom de Cléo s'immiscèrent-elles partout en un scrabble joyeux? On disait « pied », Lara entendait « jambes, collant noir Cléo ». On disait « douleur », elle pensait « camphre, pommade, salle de bain, Cléo, Cléo ». On servait à Lara un thé trop infusé. Cléo, le matin, qui oubliait la passoire dans la théière. Des copines féministes prenaient la tête d'une manif, leur banderole citait Emma Goldman. Si je ne peux pas danser, ceci n'est pas ma révolution. Cléo, 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 Cléo. On était en mars. L'appartement était devenu un théâtre où se déroulaient de courtes et anodines scénettes. Le samedi vers minuit, avec l'attention d'une épouse de téléfilm américain, Lara attendait Cléo, elle l'accueillait, s'enquérait de sa soirée. Alors, la Corée, difficile? Le chanteur, sympa? Et Drucker, de bonne humeur? Connaître les coulisses lui assurait une place à part. Elle n'était pas dupe de la Cléo à fossiles qui draguait la terre entière le samedi soir. Et finalement, c'était arrivé. L'air froid entrait par la fenêtre entrouverte de la chambre et tout le reste faisait une pause. Comme si le quartier entier retenait sa respiration. Plus d'avions, ni de passants qui se hélaient en sortant du bar en bas de la rue. Plus de bus, ni de sirènes, ni de bourdonnement de frigo. Une éclipse. Lara était étendue sur le ventre. Cléo, à califourchon sur ses fesses, lui massait des trapèzes douloureux. Le cerveau de Lara butait sur un embouteillage d'images. La main de Cléo sur ses omoplates, la main de Cléo sur ses flancs, au creux de l'aisselle. Lara voyait le moment tout entier comme un nuage statique, un présent gigantesque. Cléo se soulève à peine. Lara se retourne. Ses seins contre les siens, Cléo la recouvre, ses hanches contre celles de Lara qui s'ouvrent, elle se coule au ventre de Cléo. C'était la première fois, dit-elle à Cléo. Et Cléo souriante, tant mieux.
Alors Lara, mais pour elle c'était banal. Il y en avait eu beaucoup des filles. Laquelle? Mélanie, la danseuse peroxydée. Tout avait changé. Lara regardait les hommes dans la rue, elle ne ferait plus jamais l'amour avec aucun. Elle les quittait comme on referme la porte d'une maison de vacances confortable, trop familière. Elle s'interrogeait. En quels termes annoncer ça aux autres? Je suis amoureuse de ma coloc. Je sors avec Cléo. Lara avait fini par le dire. Je couche avec une danseuse de chez Drucker, tu verrais ses abdos. Un après-midi d'avril, Cléo l'avait rejointe à la fin d'une manif. Au café, Lara arborait Cléo. Elle caressait du bout des doigts la gorge de la danseuse tout en discutant avec les copains, enivrée de leurs regards furtifs. Je voudrais te dire un truc, avait commencé Cléo un vendredi soir en préparant le dîner. Elle avait marqué une pause, ça n'était pas urgent. Pour finalement se raviser, elle était un peu fatiguée. Elle voulait se coucher tôt, Cléo n'avait rien dit. Quelques jours plus tard, assise dans leur restaurant favori à Belleville, Cléo avait répété « Je crois qu'il faudrait que je te dise un truc. » Ah, grave ? Ou très très grave ? Avait demandé Lara d'un ton enjoué, sa peur montant d'un coup à la façon du mercure fou d'un thermomètre. Cléo allait lui révéler qu'elle avait couché avec la danseuse peroxydée. De retour à l'appartement, Lara s'était assise dans la cuisine, face à sa colocataire. Voilà. Les parents de Cléo n'étaient pas ce que Lara appelait des précaires, mais ils étaient agrippés à leur vie, à leur travail, comme à une faveur qu'on leur eût accordée. Les conversations à table s'achevaient presque systématiquement sur un « c'est comme ça ». Ils la préparaient à ce que rien ne se produise jamais. Les samedis après-midi d'hiver pour Cléo se résumaient à tourner en rond à la patinoire de Fontenay sur du Kim Wilde. Les garçons frimaient en patinant en arrière, les filles les regardaient, des spectatrices travaillant à se faire proie. Les samedis après-midi de printemps, elle et ses copines traînaient dans les boutiques du centre commercial Créteil-Soleil, essayant tout, n'achetant rien. Elles chouraient un peu, c'était facile. Seule la danse, le cours de Stan, avait eu ce pouvoir de malmener l'ordinaire d'un quotidien flasque qui se traînait. Là, elle pouvait s'inventer. Un jour de février à la MJC, elle avait été abordée par une femme très chic, de l'âge de sa mère, peut-être un peu moins. La femme, que Cléo refusait de nommer, l'avait choisie. Pourquoi elle ? Parce qu'elle était la plus jeune du cours, peut-être. Elle n'avait eu aucune raison de ne pas croire à l'existence de la Fondation Galatée. Pourquoi une Fondation Galatée n'aurait-elle pas existé, qui attribuait des bourses aux candidates les plus méritantes ? Cette femme lui avait appris le beau. Elle l'avait emmenée à Paris, dans de grands restaurants, chez des antiquaires, chez Guerlain, dans des librairies parisiennes, voir des classiques du cinéma. Sa mère l'avait rencontrée. Elle aussi avait été impressionnée. Lara arrêta Cléo. De quoi parlait-elle ? D'une première histoire lesbienne avec une femme plus âgée ? Quel âge avait Cléo ? Cléo était criblée de fragments d'images. Elle s'épuisait à les convoquer. L'appartement sentait l'humide. Une rue, à Paris, dans le 16e arrondissement. Les types, ces jurés n'étaient pas plus de 5, autant que de gamines, lesquelles ne s'adressaient pas la parole lors de ces déjeuners. Entre elles, rien ne se nouait, zéro échange. Chacune pour soi, que la meilleure gagne. Que gagnait-elle ? 2-3 billets. Il y avait des chambres le long du couloir. Mais quel âge avais-tu ? Redemandait Lara. Elles étaient assises sur le canapé défoncé du salon. Par la fenêtre, la lune large pesait sur la nuit de mai. Cléo jouait avec ses orteils nus, les genoux ramassés contre sa poitrine. Cléo avait affirmé ne pas avoir de souvenirs d'enfance. Elle en possédait tout un tiroir, maintenant grand ouvert à Lara, rempli de mots hachés,
de mots salis, d'angoisse nocturne et de honte. Quel âge avais-tu ? Redemandait Lara. Cléo secouait la tête, c'était sans importance. Cléo s'était exécutée, à la façon de ceux dont Lara parlait avec mépris. Les employés obéissant au patron, elle avait contaminé les autres au collège. Quand on parlait de ce qu'on ferait plus tard, on concluait d'un « faut pas rêver ». Cléo les avait encouragés à rêver, à désirer toutes ces choses dont Cléo était sûre qu'elles avaient constitué le quotidien de Lara. Un stage dans une école de danse, de tennis, songer à devenir interprète, styliste. Ces filles n'étaient jamais venues trouver Cléo dans la cour après. C'était comme un pacte qu'elles auraient toutes signé. Et ce qui la hantait, c'était de ne pas savoir si Cléo avait été la seule pour qui ces déjeuners, si au contraire tout s'était déroulé de la même façon pour chacune. Quel âge avais-tu, Cléo ? Redemanda Lara. Elle s'était couchée en silence. Cléo, blottie contre le dos de Lara, s'était endormie tout de suite. La plupart des gens qui la rencontraient pensaient que Cléo était plus jeune que Lara. La première fois qu'elle l'avait vue sourire, Lara avait pensé que Cléo avait de jolies quenottes de petite fille. Maintenant, tout semblait indiquer que Cléo aurait 13 ans pour l'éternité. Elle se cognait à chacun des angles morts de cette éternité. Lara se heurtait à une Cléo révélée, une Cléo en forme de carte à jouer pour adulte, simple valet qui s'était rêvé reine. Face, victime. Pile, coupable. Combien de complices avaient permis que se déroule ce jeu de massacre ? Le prof de danse de la MJC, qui avait vu à plusieurs reprises cette femme venir chercher Cléo sans jamais demander qui elle était, les médecins appelés à son chevet, dont aucun n'avait posé ne fût-ce qu'une question qui lui eût permis de parler, les parents de Cléo, jamais surpris des cadeaux qu'elle rapportait à la maison, la serveuse qui officiait lors de ses déjeuners, qui d'autre ? Lara se faisait l'avocate de l'enfant Cléo, elle désirait la combler de douceur, de pardon, mais tout de même, comment avait-elle pu ? Cléo n'ignorait rien de ce qui se déroulerait pour les autres. Elle avait choisi d'autres gamines, les avait convaincues. Elle n'avait alerté personne. Le serveur sur lequel l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains a découvert le fichier Galatée était sous surveillance depuis des mois. Les clichés les plus anciens ont été pris en argentique, sans doute au début des années 80. Les plus récents ont dévoilé aux enquêteurs leurs traces numériques. Ils datent de 1994. Sous chaque image, un lien obsolète ne mène qu'à des dossiers supprimés. C'est un fichier aux allures de catalogue dont on ne sait ce qu'elles vendent, ces rangées d'adolescentes anonymes dont seuls quelques indices, un chouchou, une montre Casio au poignet, un sweatshirt Chevignon trahissent l'époque à laquelle ces photos ont été prises. Certaines semblent réprimer un fou rire, les yeux écarquillés, comme ébahis d'être là. D'autres empruntent au magazine la pose archétypale des modèles, le menton baissé et le regard par en dessous. Un catalogue de fin d'enfance, aux ongles rongés et vernis, aux franges tombant jusqu'aux sourcils, aux dents couvertes de bagues. C'est un fichier dont Enid n'imagine pas, lorsqu'elle en entend pour la parler pour la première fois, qu'il sera le sujet de son prochain documentaire. Aux étudiants en cinéma, elle affirme qu'elle n'a pas de méthode à leur transmettre. Elle sait seulement ceci. Il faut raconter ce qui hante. Les sujets des documentaires, comme ceux des romans, sont des paravents qui masquent nos questions irrésolues,
Le sujet ne se trouve ni ne se cherche. Il faut s'autoriser là à l'entendre, à lui laisser donner de la voix. Il est là depuis toujours, une banale écharde sous la peau qui se laisse oublier à la façon d'une dent ébréchée jusqu'à ce qu'on passe sa langue dessus. Les visages du fichier racontent une histoire muette, aux sous-titres enfouis, dont Enid a été lente à comprendre que celle-ci la hantait. Certains jours, les visages sur l'écran de son ordinateur paraissent narguer Enid. Les jeunes filles se moquent d'elle, certainement. À leur histoire, Enid ne comprend rien. Elle est bien trop vieille qu'elle leur fiche la paix. Elles ont passionnément aimé Cathy. Quelque chose leur sera arrivé, au moins à elle. À force de les scruter, Enid sait de chacune un détail qui l'étreint. Le col usé d'un t-shirt, des ongles rongés, vernis, et les dents de guingois d'un sourire. « J'arrive », leur promet-elle. J'arrive. Enid écrit dans son journal ceci. J'avais 12 ans en 1982. Je collectionnais les posters de Brooke Shields, tout comme j'allais adorer Vanessa Paradis 6 ans plus tard. J'étais roublarde, minaudée pour obtenir plus d'argent de poche, grande gueule dans la cour d'école, terrorisée à l'idée de saluer les invités de mes parents, je tailladais mes shorts en jean pour laisser à nu le haut de mes cuisses, je pleurais quand ma mère menaçait de jeter mon pyjama Snoopy devenu trop petit, je mentais avec métier sans remords, j'imitais la signature de mon père sur mon carnet de notes, je volais des 45 tours aux prises uniques, j'empruntais des romans de Daniel Steele à la bibliothèque, je cornais les pages de Cosmo qui donnaient des trucs pour passer de loseuse à winneuse sexuelle. Je passais mes dimanches après-midi pelotonnés sur le canapé, abrutis d'émissions de variétés, de sucres rapides et de bulles acides. Le lundi matin, je jurais de parvenir à la pureté d'une existence exempte de désir, brûlais de disparaître, je comptais les calories de tout ce que j'avalais et me forçais à me tenir nue devant la fenêtre ouverte de ma chambre. J'enviais les toux sèches de ceux qui souffraient de bronchite. Je sautais de murets trop haut à pieds joints jusqu'à sentir le choc du béton dans mes chevilles. J'étais avide de souffrances tangibles. Je pleurais la mort de Rimbaud sans jamais le lire. De mec que je sanglotais dès qu'un chien mourait dans un film, chaviré au quotidien. Je tanguais entre la préscience d'un temps trop court, d'années trop longues. J'attendais qu'il se passe quelque chose, je le guettais, ce quelque chose. Prête à m'y adonner, je tombais amoureuse d'une mèche, d'un sourire, dans un bus. Mes pommettes étaient écarlates, comme sous l'effet d'une fièvre permanente. J'attendais. Mon journal intime renfermait des pages entières de serments, dont celui de tout faire pour vivre une vie exceptionnelle, sans aucune idée de ce qu'elle serait, sinon autre chose. Cathy était une invitation à quitter la torpeur. J'aurais sans doute passionnément aimé Cathy, être son élue. Je me serais rendue au déjeuner, comme à une compétition pour être l'élue la plus élue, pour honorer la foi de Cathy en mon avenir. Mon appréhension aurait été diluée par les attentions de ces hommes, leurs questions. Ils auraient confirmé ma certitude naïve d'être remarquable, d'avoir un destin. Ils auraient confirmé ce dont j'étais convaincue déjà. Mes parents ne me connaissaient pas. J'aurais prétendu connaître les règles du jeu. J'aurais cherché à être à la hauteur de cette maturité louée par les pseudo-jurés. L'argent aurait renforcé la sensation d'avoir un pied dans le futur, un salaire rien qu'à moi. J'aurais fermé les yeux
n'y aurait vu que du cinéma, de ces films dont je raffolais, dans lequel la soumission à un homme avait les atours de l'audace et le visage de Kim Basinger dans 9 semaines et demie. Peut-être, peut-être aurais-je hésité à assister Cathy, mais peut-être son affection formidablement bien calculée aurait-elle eu raison de ma réticence. Peut-être ma peur d'être relâchée dans ma vie d'avant Cathy aurait-elle eu raison de mon hésitation. Pourra s'agir d'un portrait d'héroïne. La célébration actuelle du courage, de la force, met mal à l'aise. Ce ne sont que femmes puissantes qui se sont débrouillées seules pour s'en sortir. On les érige en icônes, ces femmes qui ne se laissent pas faire. Notre boulimie d'héroïsme est le propre d'une société de spectateurs rivés à leur siège. Écrasé d'impuissance, être fragile est devenu une insulte.
Qu'adviendra-t-il des incertaines, de celles et ceux qui ne s'en sortent pas, ou laborieusement, sans gloire, on finit par célébrer les mêmes valeurs que ce gouvernement que l'on conspue, la force, le pouvoir, vaincre, gagner. Le système Galatée ne disait pas autre chose que la meilleure gagne. L'affaire Galatée nous tend le miroir de nos malaises. Ce n'est pas ce à quoi on nous oblige qui nous détruit, c'est ce à quoi nous consentons qui nous ébrèche. Ces hontes minuscules de consentir journellement à renforcer ce qu'on dénonce. J'achète des objets dont je n'ignore pas qu'ils sont fabriqués par des esclaves. Je me rends en vacances dans une dictature aux belles plages ensoleillées. Je vais à l'anniversaire d'un harceleur qui me produit. Nous sommes traversés de ces hontes, un tourbillon qui peu à peu nous creuse et nous vide. N'avoir rien dit, rien fait, avoir dit oui, parce qu'on ne savait pas dire non. Cette histoire est une écharde sur laquelle la chair de Cléo s'est recomposée à force d'années. Un petit coussin de vie rosée, solide, élastique. Ce corps étranger n'en est plus un, il lui appartient. Solidement maintenu dans un faisceau de fibres musculaires à peine effritées par le temps, cette histoire est une écharde. Olivier Lambert. Sylvain Griotto. Je crois que personne n'a vraiment envie de sortir de ce moment magnifique, émouvant, formidable, enfin vraiment assez magique. Je crois que effectivement, on était tous,
on en aurait tous écouté encore pendant des heures et des heures. Merci infiniment, merci à vous Lola Lafont, merci à vous trois. Merci. Et voilà, on va quand même parler un peu, après avoir, à travers cette lecture, approché l'histoire de Chloé. Cléo, une incertaine plus qu'une héroïne, donc. Oui. Oui, oui, une incertaine, une ambiguë, une mauvaise victime, entre mille guillemets. En tout cas, une fille qui, pendant 30 ans, ne trouve pas les mots pour raconter son histoire, puisque les mots vont lui être apportés finalement par la somme de rencontres qu'elle fait pendant 35 ans même. Et que ça met, il me semble qu'on met des années pour comprendre qu'un événement est un événement. Et que voilà, et c'est ce fil-là qu'elle doit suivre. Est-ce que dans l'histoire de l'écriture de ce livre, et même avant l'écriture de ce livre, quand vous commencez à y penser, quand il germe d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'elle est première ou est-ce que c'est autre chose ? Le personnage. C'était autre chose, en fait. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu cette phrase. Enfin, j'ai un petit carnet où je note des choses pendant un an ou plus, parfois. Et au début, il y avait effectivement quelque chose ressurgit du passé qu'on va devoir confronter, auquel on ne pourra pas échapper, quelque chose qu'on a enfoui et quelque chose qui ressort. Et je savais depuis le début que la vie de cette personne qui ne s'appelait pas au début Cléo, qui allait devoir faire face à ce qu'elle avait essayé sur lequel elle avait essayé de se composer comme pour les Chartes, finalement, avec les Chartes, je savais qu'elle serait vue et racontée par plusieurs personnes qui chacun en la croise et offre un reflet, en fait, à chaque fois un peu différent d'elle. Donc le fait qu'elle soit vue et racontée par d'autres qu'elle ne vient pas de son silence, en fait, du silence dans lequel elle se tient. Ça précédait son silence, c'est-à-dire que je me dis que c'est... La question n'est pas tout à fait le silence de Cléo, puisqu'elle va parler à plusieurs reprises. En fait, elle se confie plusieurs fois, dont la fois où je le lis à Lara. La question, c'est pourquoi les gens ne l'entendent pas. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, elle, pendant le roman, elle dit souvent « je voudrais dire quelque chose »,« je crois que je voudrais dire quelque chose ». Et finalement, c'est pas tellement les gens qui l'entendent que elle qui va devoir trouver ce qu'elle veut dire. Et effectivement, le fait de la faire raconter par beaucoup de gens, c'était aussi le passage du temps. Le passage du temps et puis la façon dont elle se bâtit finalement sur les rencontres. C'est-à-dire que même quand une rencontre a l'air un peu ratée, elle en ressort l'année d'après ou tout de suite après un tout petit peu modifiée. Et c'est probablement ce que je crois, qu'on est modifié par les rencontres. Et... En suivant son parcours de l'adolescence, vraiment la très jeune adolescence jusqu'à l'âge adulte, puisque comme vous dites, on la suit pendant près de 35 ans, oui. On traverse aussi des tas d'univers différents, en fait. Effectivement, on voit, c'est assez présent, même omniprésent, l'endroit, le milieu social et la géographie aussi d'où elle vient, et les multiples milieux et atmosphères qu'elle traverse. Et de ce fait, effectivement, dans le livre aussi, on est immergé dans des milieux extrêmement différents. Elle nous promène avec elle dans des mondes. Elle ouvre des portes. Effectivement, elle est à la fois dans une très grande nudité psychique, d'une certaine façon, depuis le début. Elle est paradoxale, puisqu'il y a quelque chose qui est écorché. C'est comme si, effectivement, tout était tout le temps devant. Et en même temps, au fur et à mesure, elle devient de plus en plus opaque. Et elle est éclairée par les autres, elle est éclairée par ceux qu'elle rencontre, ceux et celles qu'elle rencontre, elle est éclairée quand elle est sur scène, elle n'a quasiment pas de vie quand elle n'est pas éclairée. Et le milieu de la danse qu'on traverse, ça j'y tenais beaucoup depuis le début,
Je savais que je voulais faire une place à la danse comme un travail. Comme un travail, comme un milieu du travail, comme un milieu de travailleurs, c'est-à-dire les danseuses et les danseurs des années 90, derrière les chanteurs, les danseuses de revue, quelque chose d'anonyme. Cléo, elle ne recherche que ça, en fait, elle veut être oubliée. Et j'avais envie d'aller voir là où, effectivement, on travaille pour pas grand-chose, et là où on se métamorphose tout le temps pour ressembler à sa voisine. C'est-à-dire, effectivement, ce sont des rangées de filles qui font tout pour avoir l'air d'être semblables. Un travail physique, hein. Il y a une grande sensualité, éventuellement douloureuse, hein, oui. dans les descriptions du corps des danseuses. On voit même les artifices qui s'incrustent dans la chair, et évidemment les muscles. Enfin, il y a une connaissance intime de chez vous de ce que fait la danse, oui, au corps. Oui, j'avais envie de montrer effectivement la danse refait le corps, la danse métamorphose, réécrit le corps. Et c'est vrai que pour moi, il y a vraiment un rapport entre la danse et l'écriture, dans la réécriture, dans la matière qui se transforme, ce que j'aime dans l'écriture, c'est quand on va un petit peu en dessous, quand on va voir comment les mots sont modifiés, comment la langue est modifiée. Là, évidemment, on le voit pas parce que j'ai lu, mais la langue de la prédatrice, finalement, Cathy, c'est une langue que j'ai travaillée pour qu'elle soit. C'est une langue qui s'adresse aux adolescentes, donc qui emploie les mots clés, en fait, d'une certaine façon. C'est comme un logiciel spécial qui emploierait les mots-clés repérés, futur, casting, et qui en même temps, toute sa mise en scène est mise à nu dans le texte, entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il y a sourire, murmure, tout ce qui est de l'ordre de la mise en scène de la prédation est dans le texte. Tout comme dans le rapport que nous, Cléo, avec un personnage plus secondaire, qui est le père de son ami d'adolescence, son amour d'adolescence, qui s'appelle Serge, il y a aussi tout un autre registre de relations et de langage oui. que vous utilisez, puisque cet homme, voilà, parlez-nous de ce Alors, personnage oui, qui est formidable. Cléo rencontre Jonas en seconde dans un lycée, et un jeune homme plutôt banal d'une quinzaine d'années qui je ne sais pas s'ils sont vraiment amoureux, sans doute pas vraiment. Cléo tombe amoureuse de la famille de Jonas, qui est juive ashkénaze, et dans cette famille-là, elle va trouver les mots. Finalement, c'est la famille dans laquelle on parle beaucoup, dans laquelle on échange beaucoup, dans laquelle des textes sont évoqués, et Cléo va tomber vraiment amoureuse de la famille, un peu trop, parce que voilà, elle va en être exclue de toute façon à un moment donné. Et le père, effectivement, Serge, c'est à la fois un personnage secondaire, et puis finalement, il est en filigrane dans tout le roman à travers le thème du pardon, puisque c'est lui, sans savoir du tout qui est Cléo, sans savoir si ça la travaille, c'est lui qui, le jour de Kippour, va lui parler du pardon, et va lui parler de ce que c'est de éventuellement pouvoir se pardonner. Oui, le pardon et l'oubli, à défaut du pardon, laisse venir l'oubli, c'est une des citations que vous mettez en exergue, de Musset. Qui a été un programme pour moi, durant toute l'écriture, a été vraiment ce vers de Musset, quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est vraiment le programme que je suis, c'est la question qui me revient chaque matin quand je me mets au travail. J'étais en débat avec Alfred, je en même temps je n'y croyais pas du tout, enfin je sais qu'il n'y croyait, enfin personne ne croit à l'oubli, donc je me disais, mais qu'est-ce que tu veux dire, et donc la question, c'est qu'est-ce qui reste s'il n'y a pas le pardon à soi-même, enfin, le problème c'est ça, c'est pas très honnêtement, c'est pas que je crois vraiment au pardon. Je ne crois pas. Mais le problème, c'est ce qui reste d'autre. C'est la question du roman, en fait.
En l'occurrence, il y a évidemment pas d'oubli. Non, il n'y avait pas d'oubli du tout. Mm. Et son corps n'oublie pas de toute façon, ni le sien, ni celui de Betty, l'autre jeune fille qu'on suit, qui est un peu plus jeune qu'elle. Il n'y a aucun oubli dans le corps, que ce soit quand la danse me laisse des traces ou quand la prédation, l'abus laisse des traces. Il n'y a pas d'oubli. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on le transforme? C'est un roman où on n'approche jamais, notamment ce personnage de Cléo, par le biais de la psychologie. C'était déjà le cas notamment dans les deux romans qui ont vraiment précédé celui-ci, La petite communiste qui ne souriait jamais et J'arrive, je vous rappelle, les dires dans le désordre. Voilà. Et en fait, effectivement, la psychologie, ce n'est pas du tout. Le roman psychologique, c'est pas votre famille, c'est pas votre registre. Non, j'ai vraiment du mal. Si je lis dans un roman, elle était mélancolique ou elle était sauvage, je referme le roman. C'est parce que pour moi, c'est un personnage a été abordé par comme quand on rencontre quelqu'un et qu'on ne le connaît pas. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un et qu'on ne le connaît pas, il ne vous annonce pas s'il est triste ou gay ou traumatisé en général, et vous cherchez sans arrêt des indices pour savoir qui vous avez en face, et les indices, vous les trouvez parfois en rentrant dans l'appartement de quelqu'un, vous regardez les disques, les livres, le tapis, la théière. Et pour moi, l'écriture d'un personnage, c'est ça, c'est donner les indices par les objets, par le comportement, mais c'est pas d'annoncer. Parce que aussi, on a affaire à un personnage qui ne sait pas. Qui n'est pas tout à fait sûre de ce qu'elle a vécu quand elle a 48 ans. Les années ont un petit peu bouleversé le récit et elle n'est pas tout à fait sûre de ce qu'elle a vécu. Et quand elle est adolescente et qu'on est au premier chapitre et qu'on est avec elle, je tenais à ce qu'on soit totalement à hauteur de ses 13 ans. C'est-à-dire qu'au moment même de l'abus sexuel, on ne comprend pas vraiment parce qu'elle n'est pas complètement sûr de ce qui se passe. On n'est pas adulte et on ne la regarde pas d'en haut. Et ça, j'y tenais. Je ne voulais vraiment pas offrir Cléo en pâture au lecteur, ni son corps, ni... Donc on est avec elle. Oui, il n'y a aucun surplomb. Non, pas au début, non. En tout cas, il n'y a pas de surplomb de l'écrivain au-dessus de ces personnages. Il y a peut-être un surplomb de l'adulte qu'on est quand on la voit rencontrer Cathy et qu'adulte, on sait qu'elle va vers la catastrophe. Il n'y a pas de suspense, on sait, et elle ne sait pas. Mais après, je tenais à ce qu'on soit à son bras, en fait. Et la dimension... Tout est imbriqué. L'âge, la dimension sociale, la culture. Vous arrivez à faire en sorte, effectivement, de tresser des situations extrêmement complexes de façon à la fois très, très nuancée et très limpide aussi, je trouve, finalement. Il y a quelque chose aussi de limpide dans cette histoire. Ben ça, c'est peut-être... Enfin, j'ai l'impression que ça, c'est un travail qui reste de la danse, de ma première vie. Parce que finalement, pour moi, quand on voit les efforts, quand on voit la complexité d'un texte, c'est gênant. C'est-à-dire que j'aime bien quand vous savez, dans la danse, il faut pas qu'on voit la difficulté, il faut sourire, il faut pas. Là, effectivement, le milieu social dont vient Cléo, la classe intermédiaire dont elle vient, qui la met constamment sur 35 ans en position de personne qu'on reprend sur ses fautes de français, dont on questionne les goûts, elle n'aime pas les bons chanteurs, elle n'est pas au bon endroit parce qu'elle danse chez Drucker. Enfin, tout est tout le temps repris. Son amoureuse Lara, qui est une gentille fille de gauche, va pourtant se montrer un peu humiliante aussi. Et je tenais à ce que ce parcours-là de fille qui n'a pas eu accès à la même culture, finalement, pour elle, la culture, pour ses parents, c'est la télé. Et donc toute sa vie va être quelque chose où elle est un petit peu réécrite, mais elle en fait une force. C'est-à-dire que effectivement pour Cléo, et je ne sais pas si je ne le pense pas aussi finalement, Jean-Jacques Goldman, un très beau vers de Jean-Jacques Goldman vaut bien Musset. Et un poème est une chanson, est un poème. Je pense que vous le pensez aussi, puisque oui. Il se côtoie, oui. Musset et Goldman, oui.
sur la première page de oui, c'était, du c'était, livre. C'était aussi le, effectivement pour annoncer la couleur du roman. D'où est-ce que vous... Enfin, la question va peut-être vous paraître un peu immense, mais littérairement, d'où est-ce que vous venez littérairement, en fait? Est-ce que vous vous sentez des filiations, des proximités un écrivain comme Oates, vous la citez souvent. Ouais. On peut pas dire que vos livres forcément ressemblent énormément à ceux de Oates. Qu'est-ce que vous ressentez? Je dis Oates parce que vous venez de prépasser. J'ai vu la nouvelle édition des Chutes en poche. Ouais. Et je me rappelle d'un article que vous aviez écrit sur Blonde, auquel j'ai repensé en lisant Chaviré. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup repensé. Et voilà. Qu'est-ce qu'un auteur comme Oates vous apprend ou vous... Elle m'apprend vraiment le courage de s'attaquer à un personnage qu'on n'aimera peut-être pas. Alors vraiment, je pense qu'elle a été très forte pour ça, c'est-à-dire la capacité d'abord aussi de laisser, de ne pas résoudre. Elle ne résout pas tout. Elle a une confiance dans ses lecteurs qui est forte. Ça, je trouve que c'est important. Et elle ne présente pas ses personnages sous leur meilleur jour. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Sur d'où je viens, je pense à une phrase qui m'avait vraiment amusée de l'autrice Donna Tartt, il y a très longtemps, quand elle a débuté. Elle avait dit « J'aime autant le Club des Cinq que Virginia Woolf ». Et honnêtement, je pense que je peux le dire. C'est-à-dire que je pense que la passion de la littérature jeunesse, quand j'avais 8 ans, 10 ans, m'a sans doute autant forgée que d'aimer Paul Nizan et d'aimer, d'aimer Woolf. J'ai vraiment du mal à savoir, en fait. Simplement, par exemple, un roman comme American Darling de Russell Banks aussi a été un choc, dans le sens où je n'arrêtais pas de le refermer, de me dire, mais c'est vraiment un homme qui a écrit ça. Et ça, c'est-à-dire, ça n'a pas d'importance. En fait, ça n'a pas d'importance. Qui écrit, pour moi, n'a pas d'importance. Et c'est difficile de répondre. En tout cas, c'est aussi sur un American Darling, sur un personnage pas forcément sympathique, avec qui on est spontanément, en tout cas en tant que lecteur et sans doute en tant qu'auteur, en empathie. Oui, c'est le personnage de militante, un petit peu ambigu. Je crois aussi qu'il y a quelque chose de ne pas décider pour les lecteurs. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de décider de ce qu'on pensera à la fin. Et c'est vraiment une discipline, parce qu'on a quand même tendance à vouloir décider comme une belle fin, un bel épilogue. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je m'astreins. Et par exemple, dans La Petite Communiste et même dans Merci Marie Patti, il m'est arrivé d'écrire des choses qui me questionnait politiquement totalement, c'est-à-dire que je pensais pas, c'était un dialogue aussi avec moi-même, et l'idée n'est pas que je vous donne mon opinion. D'abord, c'est peut-être pas une phrase qui est très à la mode. Moi, je crois qu'un écrivain ne devrait pas avoir d'opinion. C'est quelque chose, c'est un autre métier en fait, d'écrire de la fiction, que d'avoir des opinions. C'est des images. On devrait avoir des images, des rêves, des pressentiments de personnages, mais des opinions dans un roman, ça me... Bon. On n'a pas, en tant que lecteur, on n'a pas d'opinion sur l'histoire de... Enfin, je trouve que vous lisant, on la ressent, oui. On la vit avec elle. J'espère, oui. Effectivement, on n'a pas d'opinion. Non, parce qu'en fait, justement, le centre de Chaviré, c'est qu'elle est tout à la fois, et que le fait, enfin bon, je l'ai lu, donc je ne vais pas le paraphraser, mais que est-ce qu'elle peut raconter son histoire? Est-ce que son histoire trouve une place? Est-ce que les filles qui ont été embringuées dans cette fausse fondation avec des faux jurés pourraient trouver leur place, puisque ce ne sont pas des bonnes victimes, puisqu'elles ont participé sans participer. Au fond, ce qui m'intéressait vraiment, c'est la notion de collaboration, de complicité, du nombre de gestes minuscules et de gens qu'il faut pour qu'un système comme Galatée existe. Finalement, c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est absolument pas... J'ai
pas du tout consacré de place aux hommes dans le roman. On les voit pas, parce que finalement, ce qui m'intéresse, c'est ce qui permet qu'ils existent. C'est pas de créer un personnage de monstre qui serait une conclusion, et trop facile aussi, d'ailleurs. Mais c'est toutes les choses minuscules, finalement, dans Chaviré, qui permettent que cette histoire se fasse. L'un de vos intérêts, c'est quand même aussi les jeunes filles. Mmh. Les jeunes filles sont très présentes dans vos livres. C'est presque des variations autour des jeunes filles et de l'enjeu un peu. Quels sont l'enjeu oui. collectif l'enjeu collectif, c'est tout à fait ça. C'est la question, et elle est d'actualité. Pour le coup, c'est à qui appartient le corps des jeunes filles. Exactement. Et on n'en est pas du tout sorti. On y revient. Et oui, je crois que le pouvoir des adultes sur les jeunes filles, et sur les jeunes gens d'ailleurs, me hante sûrement, puisque j'y reviens tout le temps. Et que, mais là, il y a beaucoup d'adultes quand même. C'est pour moi, pour un de mes romans, c'est-à-dire qu'ils sont tous à la quarantaine, cinquantaine au début des chapitres, et il y a le passage du temps auquel je tenais, c'est-à-dire que ils se tiennent à la balustrade chacun, mais il y a vraiment quelque chose le ravage du système dans lequel on vit. Parce que le système Galatée, cette fausse fondation, elle est archi-libérale. Elle dresse les filles les unes contre les autres. Ça ressemble vraiment à un travail, cette prédation. Et je voulais que chacun des personnages, à sa façon, il soit pris une gifle de plus largement du monde dans lequel on vit. Que ce soit le régisseur qui n'a plus de groupe, l'habilleuse qui est renvoyée du grand cabaret. Effectivement, ils sont tous un peu dans une situation où ils sont très, très fragilisés. Oui, ils sont tous un peu sur le point d'être mis un peu sur la touche, en fait, par un système auquel ils servaient finalement à rien de collaborer. Oui, ils ont collaboré quand même, et puis finalement, ça servait à rien. Ça ne les a pas protégés. Ça n'a pas protégé. Est-ce que vous en savez plus sur Cléo que nous, une fois qu'on a terminé le livre? J'ai écrit pendant 2 ans, Chaviré. Et à chacun de mes romans, je fais fausse route. Maintenant, je devrais le savoir. Je passe 6 mois à aller dans une mauvaise direction. Et après, j'arrive à faire le roman. Et finalement, j'ai mis du temps à comprendre et à aimer Cléo. Alors que plein d'autres personnages, c'était très rapide. Et j'étais penchée sur elle, avec elle. Et je crois que c'est... ça a été vraiment, il faut rendre hommage aux éditeurs, dans mon cas, une éditrice avec qui j'ai discuté et qui m'a dit finalement cette chose qui a été vraiment importante, que l'histoire qui arrive à Cléo doit être, quoi que je fasse dans le roman, puisqu'on ne savait pas quand je commençais, doit être inoubliable pour le lecteur. Et pour moi, c'est-à-dire, elle doit être comme une écharde. Quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit oui. C'est-à-dire que Cléo, elle a beau avoir... Elle a une carrière, elle a une vie, Cléo. On n'est pas qu'une victime. C'était important pour moi. Je ne pouvais pas tourner autour du même thème en permanence. Ça, je le savais, parce qu'on vit. Parce qu'on travaille, on aime, il se passe beaucoup de choses. La politique française défile derrière. Il se passe... Voilà, les années 90. Mais... C'est comme si elle posait son pied de temps en temps et que l'écharpe de Galatée ressurgissait. Donc ce que je sais, moi, de plus que vous, sur Cléo, c'est l'ampleur de la douleur, peut-être, je ne sais pas, que j'ai estimée. Et ce prénom, en fait, finalement, on entendait à la lecture que les gens qu'elle croise quand elle est adolescente n'arrêtent pas de lui dire « Ah, Cléo, c'est à cause du film. » Ils lui font une référence qui n'est pas dans ses références. Mm. Ses parents n'ont pas vu Varda. Et elle n'a pas vu Varda. Et elle ne sait jamais de quoi on lui parle, d'ailleurs, mais elle s'appelle Cléo. Les choix des prénoms et des noms dans un roman, c'est quelque chose d'un peu fou. C'est un peu fou dans le sens où on nomme des gens, ils vont rester comme ça pour très longtemps, en fait. C'est comme des enfants, mais vieux, parce qu'ils surgissent vieux. Et donc,
quand un nom va bien, je n'en change pas. C'est comme ça, je discute pas. C'est pas une explication, mais je n'ai pas un sens caché. Mais en même temps, c'est un nom qui est claquant et qui est... pour moi, il y avait quelque chose de... Je ne sais pas, presque enfantin et de très féminin, mais là, je le dis a posteriori parce qu'en fait, je n'ai pas pensé ça. Mais elle s'est appelée Cléo d'emblée. Elle s'est appelée Cléo, oui, elle s'est appelée Cléo. Et oui, je ne sais pas comment arrivent les noms des personnages, en fait. Mais quand vous dites qu'elle est... Elle est en fait, finalement, vous avez mis beaucoup plus de temps à la cerner que d'autres personnages. Oui. Néanmoins... Elle était quand même toujours le cœur. Elle était le cœur. Et en fait, si c'est long à cerner un personnage, c'est qu'il faut. C'est un peu comme encore une fois comme une personne qu'on rencontrerait. C'est-à-dire que si je vais trop vite, c'est une vision plate. Elle a pas de chair. Elle a pas de dimension. Le fait de mettre du temps à comprendre pourquoi, par exemple, je peux travailler sur le foulard. Le foulard que Cathy lui offre quand elle a 13 ans, qui est comme un nœud coulant, réellement. En fait, elle lui offre quelque chose. C'est horrible, en fait, ce cadeau. Et quand Jonas la rencontre et qu'elle a 16 ans, elle le porte toujours. Moi, j'ai semé plein d'indices, en quelque sorte, qui disent qui est Cléo. C'est pour ça que j'aime pas la psychologie. Je préfère que peut-être quelqu'un le lise et se dise « Oh là là !» Elle porte toujours le foulard. Ça veut dire que c'est pas du tout résolu. C'est-à-dire que moi, je procède vraiment comme ça. Plutôt que par explication. Quelque chose de vous diriez que c'est intuitif ou... Non, c'est pas intuitif, c'est les choses se passent par comme elle-même ne sait pas les dégâts. Quand on vit quelque chose de terrible, on n'a pas conscience de ce qu'on a vécu, pas tout de suite. Et donc oui, elle porte toujours ce foulard, elle a 16 ans parce qu'il est joli et puis que elle a pas vraiment encore saisi l'ampleur de la prédation, du truc horrible. Et puis un jour elle a 28 ans, elle le porte plus. Et vous le savez quand vous êtes lecteur qu'elle ne porte plus de la même façon que elle a la nausée quand elle sent le parfum opium. Et vous qui êtes lecteur, vous savez qu'elle l'a reçu en cadeau et que ce parfum est vraiment quelque chose qui la dégoûte. Ça m'intéresse plus les minuscules choses qui composent un personnage qui sont presque de l'ordre de l'inconscient pour lui aussi. Est-ce qu'écrire, c'est tout contrôler ? Justement, quand vous parlez de ces détails qui reviennent des pages et des dizaines de pages plus loin, et donc c'est un écheveau extrêmement compliqué, en fait. Oui. Est-ce qu'il y a une dimension de je sais pas, je peux dire lâcher prise, c'est un peu non, cliché non, dans l'écriture, ou est-ce que c'est essentiellement du contrôle, hein ? C'est vraiment les deux, c'est-à-dire qu'il y a une part de lâcher prise obligatoire pour faire la matière, qu'est-ce qui se passe en fait, vraiment comme un jeu, comme on dit pour les enfants, un jeu inventé, il faut à un moment donné jouer, donc il y a un lâcher prise sans jugement, et puis il y a vraiment le raccommodage et puis le perfectionnement, et je suis un peu, je suis un peu une maniaque du contrôle, effectivement. Donc, j'ai des grands plans où je sais ce qui revient, mais en même temps, ça rate. Et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que le personnage, vous voyez que vous êtes allé un petit peu ailleurs, qu'il va falloir l'accompagner. Chaque personnage, je vais pas dire moi, je crois pas à les écrivains qui disent, le personnage vit tout seul. Non, il vit pas tout seul, on le fait. Mais la part de lâcher prise, elle doit fournir de la matière sur laquelle on retravaille vraiment une matière physique, en fait, hein, de faire des choix un peu plus tard, mais pas tout de suite. Oui, c'est pas de la magie. Les personnages ne vous entraînent pas à des endroits où ils ont envie d'aller, et pas vous. Et... Non, non, je me méfie beaucoup des auteurs qui disent ça. Non. Je crois qu'il est l'heure, hélas, pas que, hein, il est l'heure d'arrêter cette discussion, mais vous allez... signé, ouais. Donc, avec un masque, je vous rassure. Avec un masque. Tout comme vous allez venir devant Lola Lafont avec votre masque pour faire signer Chavirer, qui est vraiment un des livres dont on parle beaucoup en cette rentrée. C'est pas négligeable non plus d'avoir un roman dont on parle beaucoup, un roman que les gens achètent, les gens aiment. Je le dis, ça a l'air un peu ce que Cléo pourrait dire. Je mettrai ma main sur mon cœur, mais c'est très touchant d'être lu à ce point, oui.
Parce que c'est vraiment un très très beau livre et qui, je crois que vous le savez si vous l'avez lu, qui avec lequel on vit longtemps après l'avoir lu. Merci infiniment, merci Lola Lafont. Merci encore à vos camarades. Merci. Et merci à vous.